el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno. Où est-ce que tu vas? Et où tu vas? Où m'emmèneront mes pieds? Si tu veux, je peux t'accompagner pour être sûr qu'il t'arrivera rien, ok? Ok. Bonjour, Amparo. Bonjour. Tigre. Captain Cabal, comment ça va? Bien, merci. Vous êtes là pour identifier le corps? Oui, en effet. Ok, eh bien, allons-y. Je préférerais y aller toute seule. Pourquoi ça? Eh bien parce que... s'il s'agit d'Abelardo, et que tu es avec moi, ce sera encore pire. Tu me comprends, n'est-ce pas? Hein? Oui, oui, je te comprends. Dans ce cas, ma belle, je vais t'attendre dehors. Hein? Merci. De rien. On y va? Allez, je vais attendre là. Très bien, d'accord. C'est par là, Amparo. Oui, par ici. Merci beaucoup. Vous trouverez la sortie. Hé hey. Hé hey, viens voir. Monsieur? C'est vous qui avez trouvé le corps dans le lac? Oui, monsieur. Très bien. Alors voilà. Si ce cadavre est celui d'Abelardo Cuero, je vous donnerai la récompense que je vous ai promise, d'accord? De l'argent? Mmh. Oui, mais soyez discret. Bien sûr. Ok, au revoir. C'est Guy qui habite ici? Des gens que je connais, tu vois. Bah, j'ai l'impression qu'il y a personne. Ouais, ça je vois. Tu vas les attendre ou quoi? Non. Non, je vais aller les chercher ailleurs. Hé, tu veux toujours pas manger? Non, hors de question. Bah, t'as tort parce que c'est vachement bon, tu sais. Non, Hortensia, ça fait longtemps que je suis sans nouvelles d'Amadeo et que je ne l'ai pas vu non plus. Si jamais t'avais des nouvelles, préviens-moi s'il te plaît. Il est complètement perdu et Marisol a besoin de lui de toute urgence. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais je ne crois pas qu'il apparaisse par ici. Et encore moins au bar. Mais je peux t'aider à le chercher si tu veux. Oui, oui, tu me serais d'une grande aide. Oui, entre. Entre, je vais prendre mon portefeuille, ma veste et on y va sur le champ. Je ne tarde pas. Fais vite. Oui. Hé, hey, Hortensia! T'es là, Hortensia? Et du calme, tu vois bien qu'il n'y a personne non plus. Je vais rester là et je vais m'asseoir là et puis je vais attendre. Ok, comme tu veux. Merde, regarde, tirons-nous d'ici parce que s'ils nous chopent, ça va faire mal. Vas-y, vas-y, toi. Lève-toi, allez. Ça va. Allez, on bouge, allez, dépêche-toi. Allez, avance, dépêche-toi un peu, dépêche. C'est par ici, Amparo. Ici, vous serez plus tranquille. Merci. Oh. Vous avez pu reconnaître le corps, c'était Abelardo? Non. Pour être franche, je n'ai pas pu le reconnaître. C'était vraiment... Oui, oui, je sais. Je comprends. Mais un petit signe, un élément qui puisse identifier. Non. Vous en êtes sûr? Bien sûr que j'en suis sûre. Écoutez, Amparo, je ne veux pas vous mettre la pression, ni être insistant. Mais si vous ne reconnaissez pas ce corps, il va terminer dans une fosse commune. Et si jamais il s'agit d'Abelardo, il risquerait de se trouver dépourvu d'une tombe, vous me suivez? Vous pourriez me donner plus de temps pour essayer de l'identifier? Oui, mais pas beaucoup. Laissez-moi jusqu'à demain, s'il vous plaît. Très bien, jusqu'à demain. Dans ce cas, je vous dis à demain, Amparo. À demain. Merci beaucoup.
Alors c'était Abelardo? Je veux partir d'ici tout de suite. On y va. Mais dis-moi, c'était lui ou pas? Non. En tout cas, je n'ai pas l'impression. Mais pourquoi voudrais-tu que le tigre paie pour le corps trouvé par les pêcheurs? Moi, je n'en sais rien, mon capitaine, mais c'est ce que j'ai entendu et c'était très clair. Quelle mauvaise nouvelle. Ça change radicalement l'ordre des choses. On repart à zéro. Mais pourquoi, mon capitaine? Je ne comprends pas. Parce que ces pêcheurs, dans le but de se faire un peu de sous, peuvent désenterrer un corps, le rendre méconnaissable et le jeter à l'eau. Voilà pourquoi. Oui, je vous rejoins là-dessus. Vous avez tout à fait raison, capitaine. Mais oui, j'ai raison. Mais tu sais ce qui me tracasse le plus? Cette espèce d'intérêt qu'a Monsieur Jordan pour trouver le corps d'Abelardo. Hein? Qu'a-t-il en tête? Ça veut donc dire que ce n'était pas le corps de mon père? Bah, on dirait que ça n'était pas. J'ai pas dit que c'était pas lui. J'ai juste dit que j'en étais pas sûre, ma fille. Mais maman, comment peux-tu ne pas en être sûre? Eh bien, parce que le corps qu'ils ont trouvé... Le corps était très décomposé. Eh bien que... J'ai essayé... par tous les moyens, de trouver un détail... qui me permettent de l'identifier. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas pu. Mais attends, il n'est pas question que Cabal te mette la pression. Tu vas lui dire que ce corps n'était pas celui de papa et c'est tout. Non, ma chérie. Le problème, c'est que si jamais par hasard, il s'agissait bien du corps de ton père, et que je ne le reconnaisse pas, ton père sera enterré dans une fosse commune. Et ce n'est pas là une fin pour Abelardo, il ne mérite pas ça. Amadeo va sûrement très bien, ma belle. Calme-toi, d'autant plus que tu lui as dit que tu voudrais qu'il te rejoigne et fasse partie de ton groupe. Il n'y a donc rien à craindre. On est tranquille. Attends, là, tu peux répéter ce que tu viens de dire ? Qu'Amadeo est très mal en Colombie et que je veux qu'il vienne aux États-Unis faire partie de mon groupe. Ah, c'est super. J'étais pas sûr d'avoir bien entendu, mais en fait, si, c'est dans ton groupe, c'est ça? Ouais, t'as très bien entendu. Il va m'aider à monter mon groupe. Pourquoi? Non, pour rien. C'est juste que je viens de comprendre ce qui lui était passé par la tête. Je viens de comprendre pourquoi il ne veut plus jouer avec nous dans le groupe Nietzsche. Regarde, toi, tu vois, t'es... Vraiment, t'es un vrai génie, tu captes tout, toi. C'est pour ça qu'il veut plus jouer avec vous, c'est sûr. Puisqu'on est tous réunis, je vais en profiter pour vous dire une chose importante, si ça te dérange pas. Non, si tu veux, j'y vais. Non, arrête, tu fais partie de la famille, il manquerait plus que ça. Bon, comme vous le savez déjà, d'ici un mois auront lieu les prix Grammy. Et Billy vient de me dire qu'en plus des concerts qu'il nous a eus à Los Angeles et à Las Vegas, il y en aura plus. Ouais. Oh, alors, c'est super, c'est génial. On n'a plus qu'à se préparer, ouais, parce qu'on va faire une sacrée tournée, yes, les gars. On va se dévorer les États-Unis, les gars, c'est vraiment magique. Amy, est-ce que je peux y aller avec vous? Hé, Ivan, elle dit vouloir venir avec nous. Of course. Yes. Oui, yes. Merci. You're welcome. Je t'aime fort. I love you. Oh my goodness. Merci. Je reviens. Oh, c'est pas vrai. Hey, reste là. On peut parler, toi et moi? De quoi tu veux parler? Écoute, j'ai besoin d'éclaircir la situation entre toi et moi. C'est bon, t'as pas à t'en faire, tout est très clair. Non. Parce que là, tu vois, tes actions me montrent constamment le contraire. Je t'écoute. Écoute, Marisol, je t'aime très fort, et tu le sais bien, et... Si on devait ne plus jamais se voir de la vie pour que tu sois tranquille, je veux que tu saches que cette tendresse restera en moi à jamais. Même si jamais... Je ne pourrais t'aimer de la façon dont toi tu le voudrais. Oui. Tu comprends? Oui, c'est très clair. Pour moi, t'as pas à t'en faire et sache que dans ma vie, il y a autre chose que toi. Alors, je vois pas quel est le problème. Amadeo est très mal en Colombie. Et c'est tout, il y a rien d'autre. Le truc, c'est que nous, on n'a pas ta force et on prend pas les choses à la légère comme toi, c'est tout. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, hein? Que je reste triste à en mourir? Oui, ça te touche, bien sûr. Mais toi, tu souffres un peu et puis ça va vite mieux, hein? Parce que même après que tu te sois fait
planté à la porte de l'église par l'une, qu'avec l'autre, t'es pas voulu aller aux États-Unis, et que Fanny t'est trompée avec ton meilleur ami, toi t'en as déjà une autre sans parler de celle du collège. Ah ouais, et qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Que je reste triste à en mourir? Non, mais au moins que tu retiennes la leçon. Bon, tu sais quoi? Continue à faire ton Don Juan et à les enchaîner, parce que la prochaine fois que tu vas souffrir, je serai heureusement plus à tes côtés. Mais non, attends! Salut! Là, et leur maison a été louée à d'autres personnes. Peut-être qu'il est parti les rejoindre. Oui, mais enfin, ça m'étonnerait. Ton frère n'avait pas un sou en poche quand il a disparu. Je ne vois vraiment pas comment il irait là-bas. Bon, Hortensia, si vous avez du nouveau, je compte sur vous. Oui, bien sûr, tu peux compter sur moi. Et tâche de ne pas trop t'inquiéter. Les pires nouvelles sont toujours celles qui arrivent en premier. Bon, embrasse bien Yuniko. Allez, salut. Ouais, merci. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Je n'ai pas voulu inquiéter la petite, mais visiblement, vu l'ampleur des choses, je crois qu'on va devoir chercher dans les hôpitaux, dans les commissariats de police et même à la morgue. Oh non, Hortensia, t'imagines pas à quel point je me sens coupable de tout ça. Et pourquoi ça? Si je n'avais rien fait avec Mike, rien de tout ça ne serait arrivé. Non, attends. Je t'en ai voulu la première quand tu as couché avec Mike. Surtout parce que je savais qu'Amadeo t'adorait. Mais il a décidé de te pardonner, d'oublier et de repartir à zéro. Et il n'avait aucun droit d'aller coucher avec Fanny. Oui, je sais, c'est vrai, mais s'il fait ça, c'est un peu par vengeance, non? Non. Il l'a fait parce que c'est un idiot, un menteur, un mauvais ami, et voilà pourquoi il l'a fait. Et où qu'il se trouve, je suis certaine que les remords doivent le tuer à petit feu. Tus lágrimas, falta un amigo que me consolará. Hubo testigos, demasiados testigos, que te vieron con él. Bonsoir. Bonsoir, on part où? Excusez-moi. Je suis désolé de vous déranger, mais je suis venu car on m'a dit quelque chose de très délicat.
Arrête un peu et puis fais pas cette tête. Je vois pas pourquoi tu fais la gueule comme ça. En quoi c'est sa faute à elle? Cette fille, elle est gentille. Elle est pas responsable de ce qui se passe entre Ivan et Marisol. Oui, oui, je sais, t'as raison. Hey, oui, c'est vrai. Toi et moi, nous sommes les seules femmes. So, we can be friends. J'ai compris, elle dit que vous pourriez être de bonnes amies. Ah oui, oui, de bonnes amies. Ok. Comme des sœurs. Yeah. Ouais, de oui, let's oui, be friends. De vraies okay, amies. Ouais. Camilla, comment ça va? Dis-moi, s'il te plaît, Yenny est là? Non. Ah non? Et je peux savoir où elle est? Elle cherche Amadeo. Vous m'en direz tant. Et vous savez où je peux la trouver? Parce que moi, justement, je sais où il se trouve. On peut rien te dire parce qu'on sait pas. Mais bon, même si je savais, eh ben, je te le dirais pas. Bien, je vous remercie, vous êtes aimable comme toujours. Oui, pas moins que toi. Continuez à laver vos verres, merci. Oui, tout comme toi, allez, ciao. Yenny! Ah, heureusement qu'on se croise, faut que je te dise une chose super importante. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais bien que tu n'es pas le bienvenu. Ah non? Non. Prends bien soin de toi alors. Oui, c'est ça, bon vent. Yenny! Yenny! Yenny, Mike t'a dit pourquoi il est venu? Non, je ne l'ai pas laissé parler. C'est très bien, tu as bien fait de ne pas le laisser faire. Mais il nous a dit qu'il savait où était Amadeo. Vous êtes sûre? C'est ce qu'il nous a dit, hein. Yenny! Ah. Attends, mais... Yenny! Non, mais quel idiot! Oh non, c'est pas vrai. Bon, quelle est donc cette urgence que vous avez à me dire, hein? Tu as fini par dire à Cabal que le corps retrouvé est bien celui d'Abelardo? Non, pas encore, non. Bon, mais dans ce cas, je comprends pas. Ne va pas me dire que tu as... Le fait est que... qu'il y a un instant, Cabal est venu ici. Et il nous a dit une chose abominable. Et toutes les deux, nous voulons savoir si c'est vrai. Eh bien, vas-y, dis-moi ce qu'il t'a raconté. Apparemment, tu aurais offert de l'argent à des pêcheurs pour qu'ils retrouvent le corps d'Abelardo. C'est la vérité? Réponds. Oui, oui, c'est la vérité. Non, mais t'es vraiment un monstre. Je sais qu'Abelardo n'est pas un saint, non? Mais toi, tu es pire que lui. Tu n'es qu'un pervers, un calculateur. Non, 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 ce n'est pas aussi pervers que vous avez l'air de le croire, je vous en prie. Comment ça, non? Mais enfin, tu trafiques autour de la mort de mon père, là. Pourquoi souhaites-tu qu'Abelardo soit mort? Tu as l'intention de profiter de Xiomara et de moi, comme tu l'as fait avec Ivan, c'est ça? Que vas-tu chercher? Bien sûr que non, Amparo. Bien sûr que si. Tu as été capable d'inventer la mort d'Aristoteles. Tu es aussi capable d'aller payer deux pauvres pêcheurs pour qu'ils trouvent un corps et qu'on vienne nous dire qu'il s'agit du corps d'Abelardo. Tu n'es qu'un sale manipulateur. Non. Voyons, un moment, juste un moment. Vous êtes en train de faire des conclusions hâtives qui ne sont pas vérifiées. C'est vrai, oui. J'ai offert de l'argent à ces deux pêcheurs pour qu'ils retrouvent un cadavre. Mais pas n'importe lequel, juste celui d'Abelardo, le véritable, vous comprenez? Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que... Voilà, tant que vous n'aurez pas la certitude qu'Abelardo est bel et bien mort, vous allez vivre avec ce doute toute votre vie, avec cette incertitude, avec un boulet qui vous empêchera de faire votre deuil, c'est tout. Voilà. C'est vrai? Ou tu veux plutôt qu'on oublie rapidement mon père pour pouvoir mettre le grappin sur ma mère? Ah, Xiomara, n'exagère pas. Je n'exagère pas du tout, maman. Arrête un peu d'être hypocrite et dis-nous la vérité en face, d'accord? Vas-y, parle! C'est vrai, Xiomara. Je ne vais pas nier le fait que je suis très amoureux de ta mère. Profondément amoureux. Et que je serais l'homme le plus heureux si elle devenait ma femme. Mais écoute-moi. Je n'ai pas fait ça pour moi, je l'ai fait pour vous deux. Mais oui. Oui, pour qu'Abelardo se repose, pour que vous aussi vous vous reposiez. Essayez de comprendre, je vous en prie. C'est la vérité. Est-ce que t'es sûr que c'est ici? Mais oui, j'en suis sûr. Comme je te le disais, moi j'étais en train de me faire cirer les chaussures quand je l'ai vu passer avec un clodo. Alors je saurais pas te dire lequel des deux était le pire, hein, mais... Voilà, je lisais le journal et quand il est passé à côté de moi, je me suis caché le visage pour pas qu'il me reconnaisse, tu vois. Et crois-moi, après je l'ai suivi et je suis arrivé là. Non, je ne peux pas croire qu'Amadeo soit mais tombé moi si non bas. Plus, je trouve ça très triste et même pathétique, mais même si ça nous fait du mal, il faut accepter les faits, Yenny. C'est un clodo. Thank you. Et pour terminer,
J'aimerais remercier tous ceux qui sont venus ici pour voir notre dernier concert. Merci beaucoup. Nous vous garderons au chaud dans nos cœurs. Vous nous avez reçus avec tant d'amour depuis notre arrivée. Et je voudrais vous remercier de m'avoir aidé à réaliser ce rêve qui me réveille depuis tout petit là-bas, dans ma ville natale, à Puerto, sur la côte, qui était de chanter à New York. Donc je vous dédie la chanson avec toute ma tendresse. 1, 2, 1, 2, 3. Pas contente? Si, si, bien sûr que si. C'est juste que j'aurais jamais pensé avoir un tel succès ici. C'est bien le pays des opportunités, non? Mais avant de signer, j'aimerais te demander 2-3 petites choses. Commence par le lire. Peut-être que ce que tu désires est déjà dans l'une de ces clauses. Je crois pas. Dans ce cas, je t'écoute. Eh ben voilà, j'aimerais que Diana, mon amie la choriste du groupe Nietzsche, tu t'en souviens? Que ce soit elle la chanteuse, enfin l'une des chanteuses quoi, et que mon frère fasse les arrangements. C'est tout, rien d'autre? Non. Écoute, tu m'as fait peur, j'ai cru que tu allais me demander plus d'argent, et ça c'était un problème. Oui, c'est d'accord. Eh ben, merci infiniment. Bon, ben alors, signe Marisol. Je vais le lire d'abord, d'accord? Prends tout ton temps. Merci. On est où? Au palais de Buckingham. Où est-ce que tu veux être? On est dans un parc, mec. Et qu'est-ce qu'on fait là? On fait ce qu'on aime le plus. On boit, on se drogue et on attend que la vie passe, quoi, c'est tout. Non, je veux pas finir comme ça, mon pote. Je suis Amadeo Lopez, moi je suis célèbre, tu sais. Je suis le chanteur de salsa d'un groupe qui s'appelle Amadeus. Tiens, bois un coup et reste là. Non. J'y vais. Je m'en vais. À jamais, mon pote. Et où tu vas? Récupérer ma vie. Alors, Marisol, est-ce que t'es OK? Oui, parfait.
Bon, est-ce que tu as un commentaire, une objection ou encore un doute? Non, rien de tout ça, c'est parfait. Eh bien, dans ce cas, tu signes. Juste là. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Attends, moi je vais signer là. Et voilà. Bon, alors on y va? Non mais ça va pas, t'es sérieuse? Comment veux-tu qu'on se mette là-dedans, Yenny? C'est déjà bien trop d'être ici. Je trouve que cet endroit est vraiment horrible. Je suis même pas sûr qu'on sorte d'ici vivant, tu vois? Oui, mais il faut bien qu'on le sorte de là. Oui, avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Tu crois vraiment qu'Amadeo va te laisser le sortir de là, Yenny, voyant? Il faut que j'essaie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Dis-moi. Que je l'abandonne ici et que je me soucie plus de lui? Je sais que tu vas me trouver cruel, mais... la seule façon pour Amadeo de se sortir de là, c'est par sa propre volonté, c'est comme ça. Allez, viens, on s'en va, on reste pas là maintenant. Non, arrête. Non, je ne veux pas. Yenny. Je vais aller le chercher, je vais le supplier de faire une cure pour se soigner. Yenny, viens, regarde ces gens te lorgner le sac à main, je t'en prie. On peut pas rester là, allez, on part, on s'en va. Du calme. Yenny! Lâche-moi, Mike! Mais qu'est-ce que tu fais à embrasser Sora, hein? Hein? Non, non, Amadeo, c'est pas ce que tu penses, arrête! Arrête d'embrasser Sora, arrête! Arrête! Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Bien, merci beaucoup. Et s'il vous plaît, je vais vous demander de m'aider à dire au revoir au groupe Nietzsche avec un tonnerre d'applaudissements. Pour sa musique, pour son talent et pour ce don de soi dans chacune de leurs chansons. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Sachez qu'il me manque des mots pour vous dire tout ce que je voudrais et je connais rien d'autre à part hello. Alors, merci pour votre amour. On l'a fait. Allez, venez. Ça va aller, Amadeo. Emmenez-le vite, je vous en supplie, ça va aller. Amadeo. Ah, calme-toi. Non, elle va mourir, je sens que je vais le perdre. Il va pas mourir, Yenny, voyons. Amadeo est un homme fort, arrête de t'en faire, viens. Allez, je voulais te dire que, demain matin, je vais me rendre à la police. Je vais parler à Cabal. Je vais lui dire que le corps qu'ils ont trouvé dans l'eau est bien celui d'Abelardo. Pourquoi ça? Ne me dis pas que le tigre a réussi à te convaincre. Non, ma chérie.
Le tigre n'a rien à voir avec toute cette histoire. Bien sûr que si, maman. Parce que si ce type n'était pas venu te dire toutes ces conneries, tu ne penserais pas à faire une telle chose, je le sais. Tu n'es même pas certaine que ces restes soient ceux de papa, enfin, maman. Et s'il était, ma puce? Et s'il ne l'était pas, maman? Écoute, maman, je t'en supplie, hein. Je t'en supplie, ne mets pas papa dans une tombe avant l'heure, je t'en prie. Ce qui, pour moi, serait un crime, ce serait de laisser ton père être enterré dans une fosse commune. Et en plus, ma petite chérie, je pense vraiment que ton papa est mort, ma puce. Oh, maman. Mais écoute, depuis qu'il s'est jeté à l'eau, il ne nous a donné plus aucun signe de vie. Et en plus, le tigre, il m'a remis une lettre de ton père, dans laquelle il est bien clair qu'il avait l'intention d'en finir avec sa vie. Mais de quelle lettre est-ce que tu me parles ? De celle-ci. Votre attention, mesdemoiselles et messieurs. J'ai une annonce à faire. Alors demain matin, je viendrai vous prendre de bonne heure et nous partirons en tournée. Hein? Wow! Super, non? Très bien. Dans ce cas, on se voit demain. À demain, everybody. Yeah. Oui, ok. Oui, à demain. Je suis vraiment happy. Car c'est comme un dream pour moi de pouvoir partir avec vous en tournée. Fantastic. Wow! Amazing! Moi aussi, je suis super heureuse parce que je vais découvrir les États-Unis aux côtés de mon petit chéri d'amour. Oh là là, c'est mignon ça! Attendez. Vous savez ce qui est vraiment magique? Qu'on va se faire connaître par toute une partie du monde. On va rencontrer plein de musiciens, de danseurs de salsa et toute une quantité de salles. Hé les gars, est-ce que ça vous dirait d'aller tous fêter ça au bar Bougalou, hein? Hein? Et comme ça, on pourrait dire au revoir à Marisol aussi. D'accord? Oui, on y va. Ok, super. Hé, mon grand là, tu viens avec nous? Pourquoi tu fais cette tête, mon vieux? Non, rien de nouveau. Ah. C'est juste qu'alors qu'on vit un voyage merveilleux et féerique, moi je peux pas le partager avec mes deux grands amis, tu vois. Je parle d'Amadeo et Marisol, ouais. Je te comprends parfaitement, Ivan, parce que je pense pareil que toi, mais écoute, il faut qu'on soit fort malgré tout ça. C'est notre dernière soirée à New York, et il faut qu'on fasse la fête, et qu'on en profite à fond. Allez-y, vous, vraiment, moi je crois que je vais aller à l'hôtel, parce que je sais que si je vois Marisol, ça ne fera qu'empirer les choses, donc voilà. Bah, comme tu voudras, mon grand. Hé les gars, on y va. Allez, filons et profitons de la nuit. On va faire la fête. À plus. Salut, Ivan. À demain, ciao. Mon pote. Bye. Écoute, Ivan. Tiana. Je crois qu'on ferait mieux d'y aller. Essaie de pas te mêler de ces problèmes, laissons-les entre eux, hein? Allez, viens. Viens, on y va. Comme tu veux. Allez. Hey! Hey, oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux pas venir faire la fête? Non. Non, je préfère aller dormir. Ok. I'm coming with you. Tu vas rester avec moi? Yeah! Merci. Et sache vraiment que, sans toi, cette journée aurait été encore plus triste. Ouais. Allez. Je crois que... je suis en train de vivre la plus grosse douleur de toute ma vie, maman. Tu as raison. Il vaut mieux que tu reconnaisses ce corps. Parce qu'il est fort possible que papa se soit en effet jeté à l'eau pour se suicider. Ne pleure pas, ma petite chérie. C'est de ma faute, maman. Non. Bonsoir, Hortensia. Amadeo vient d'avoir un accident. Il se trouve dans un état vraiment horrible. Un camion l'a écrasé et lui a complètement bousillé la jambe. Et vu que Marisol est son unique famille, les médecins ont besoin de son autorisation pour... Pourquoi? Mais dis-moi, calme-toi et explique-moi. Pour lui amputer la jambe. Oh mon Dieu, quoi?
Oh Seigneur, mais quelle misère! Oui, il faut trouver Marisol urgentement parce qu'elle elle ne peut pas permettre une telle chose, tu comprends? Oui, non, attends, j'appelle tout de suite Marisol à New York. Ok, à tout à l'heure. Oh Seigneur, oh Seigneur Dieu! Bonsoir, en quoi puis-je vous aider? Mademoiselle, voilà. Pourriez-vous me mettre en relation avec la chambre de Marisol Lopez? Marisol Lopez? Apparemment, elle n'est pas dans sa chambre. Oh, c'est pas vrai. Très bien, dans ce cas, passez-moi plutôt la chambre de Yuniko Quiñones. Une petite minute. Yuniko, réponds. Il faut absolument que je te parle. Réponds, je t'en prie. Lui non plus ne répond pas. Oh non, mais c'est pas vrai. Ah, je sais. Mettez-moi en relation avec la chambre de Ivan Cuero. Non, 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 non. Lui non plus n'y est pas. Oh, doux Jésus, je fais quoi, moi? Très bien, mademoiselle, merci beaucoup. Mais enfin, où sont-ils passés, bon sang? Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Eh bien, Tito Monroe et Marisol Lopez. On revient tout de suite. Viens là. Ah, bravo à la plus belle. Qu'est-ce que vous faites là? Bravo, Marisol, bravo. Marisol. Ah, Marie. Ah. Tiens, je t'en mets une. J'espère que vous soyez là, enchanté. On voulait juste faire une belle fête car c'est notre dernière soirée à New York. Et on voulait aussi te dire au revoir. On est hyper contents pour toi, Marisol. Ah, merci beaucoup. Et Ivan, il est... Pourquoi il n'est pas venu alors? À ton avis, il est sûrement parti à l'hôtel avec Amy, hein? Bravo. T'étais pas obligée de préciser à ce point? Attends, si, si. Ah, t'inquiète pas, ça fait longtemps qu'il est plus dans mon cœur. Tant mieux. C'est super que vous soyez là parce que vous allez fêter avec moi ma signature avec Tito Monroe. Je vais pouvoir monter mon propre groupe. C'est génial, je te félicite. Eh ben, on va aller fêter ça. Alors. Allons voir, je vous invite. On y va, tout de suite. Et alors, je vous invite, ça fait plaisir, je te dis. Je suis la seule et unique responsable de tout ce qui est arrivé, Mike. S'il arrive quelque chose à Amadeo, jamais je ne me le pardonnerai. Ne va pas penser ça, Yenny, t'es trop dur avec toi. Je sais parfaitement qu'Amadeo a été bouleversé à cause de nous deux, mais bon... Lui aussi, il a fait des siennes. Il vous a trompé, toi et Ivan, son soi-disant meilleur ami, son frère. C'est peut-être toute cette situation qui l'a amené à devenir un vagabond et... à vivre de la façon dont il vit aujourd'hui. C'est pour ça qu'il en est là, je crois. Oui, c'est aussi ce que m'a dit Hortensia. Mais je crois que tu oublies un petit détail. Il s'est fait écraser par un camion parce qu'il nous a vu nous embrasser. C'était juste de la tendresse. On sait pertinemment tous les deux que tout ça n'est pas vrai. Ce qu'il nous a vu faire a dû vraiment le détruire de l'intérieur. Oui, c'est certain. Oui, c'est sûr, oui, mais... Mais bon, Amadeo et toi, vous n'êtes plus en couple. C'est vrai, mais je sais qu'il m'aime. Oui, je sais qu'il m'aime encore. Ok, je vais te poser une question. S'il t'aime tant que ça, pourquoi a-t-il couché avec la fiancée d'Ivan? Pour la même raison que j'ai couché avec toi. Par pure bêtise. Yenny, s'il te plaît. Écoute, ça suffit maintenant. Je ne veux plus rien entendre sur le sujet parce qu'absolument rien ne pourra me faire changer d'avis. Je reste sur ma position, alors maintenant laisse-moi seule. Allez, va-t'en! C'est bon, ça va, je vais m'en aller. Mais promets-moi que si vous avez besoin de quoi que ce soit, toi ou Amadeo, tu me le diras, d'accord? Ok. Ok, merci. Saoul? Oui? Je veux te remercier pour ce voyage merveilleux et de m'avoir offert cette lune de miel. Tout est parfait. Non, inutile de me dire ça, Diana. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il nous reste encore tout un mois à profiter parce que... Parce que la tournée ne commence que demain. On va en profiter. Diana, tu sais, je vais te dire une chose. Quand on est parti de Colombie, eh bien, tu sais, je vais te dire... Je me disais, mais non, quel ennui d'aller chez l'oncle Sam. Mais quand on est arrivé ici, et j'ai vu à quel point tout était incroyable, à quel point tu étais heureuse, ça m'a...
ça m'a vraiment chamboulé. J'aurais jamais pensé dire ça, mais ce pays est une vraie merveille. Mais n'oublie pas que si tout est si beau, c'est aussi parce que je suis là, non? Bah, je vais te dire une chose, si tu n'étais pas là, rien ne serait pareil, non? Et sinon, t'aimerais pas que cette lune de miel se prolonge pour toute la vie? Mais ça va sans dire, Diana. Parce que tu sais, toi, j'ai bien l'intention de t'aimer pour toute la vie. Oh, t'es vraiment un amour. Mais c'est pas ce que je voulais dire, en fait. Ah bon? Bah, je me disais que puisque tout est génial et qu'on adore ce pays... Oui. Que je crois que j'adorerais qu'on reste vivre ici pour toute la vie. Quoi? Oui! En fait, voilà. Marisol m'a proposé de chanter dans le groupe qu'elle va créer avec Tito et je ne veux pas perdre cette opportunité. Je veux pas lui dire non. Non, Diana, moi ça me dit rien, ça. Diana, non! Ah! Désolée, Diana, mais moi je préfère raisonner et ne pas me laisser emporter. Je suis pas d'accord. En plus, c'est un groupe de femmes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, hein? Regarder le plafond, c'est ça? Non, Diana, ça ne va pas être possible. Ah, mais calme-toi un peu. Toi, tu pourrais travailler dans l'orchestre de Tito. Et attends, on pourrait dire à Marie qu'elle t'aide à trouver un agent, hein? Hein? Ça ne me dit rien. Il faut que je rentre. Comment ça va? J'ai des choses à faire à la maison. Donc, see you tomorrow. On se voit tomorrow. Salut, on se voit demain. Bye bye. Salut. Bye. Oh, bah, y a qu'à la voir celle-là pour savoir qu'Ivan a bien fêté son départ de New York. Non, mais t'as vu sa tête? Oh, arrête, Marie. Te prends pas la tête avec ça. Regarde, débarrasse-toi de cette mauvaise énergie. Comment c'est déjà? Je la jette. Je vous souhaite tout le succès du monde durant la tournée et de gagner ce Grammy. Oui, et qu'on gagne ce Grammy avec toi. Parce que tu as vraiment joué comme une déesse pour l'enregistrement de ça. Ça, c'est bien vrai, oui. Oh, merci. Marie. Ciao, princesse. Je suis très pressée de te revoir. Ma chérie. Salut, Timmy. Prends soin de toi. Bonne chance. Bonne chance à toi. Salut. Ah, Marie. J'ai été heureux de te revoir. Tu es en pleine réussite et sur le point de devenir une vraie star avec cet orchestre. C'est super. Merci. Je te félicite, ma belle. Bon, allez. Je retourne dans ma chambre. Ah, Marie. Bon, alors quoi? On se voit toujours après la tournée? Évidemment. Ah là là, j'y vais, sinon je vais pleurer. Prends bien soin de toi, ok? Hello? Room 301, please. Thank you. Tiens, regarde, j'ai eu un appel d'Hortensia. Ah ouais, moi aussi. Tiens, lis. Allô? Enfin, ça y est, je peux te parler, Marie. Bon, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Amadeo a eu un accident et son état est très très grave. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Il est dans un état critique, mais ils n'ont pas pu l'opérer parce qu'il a le sang intoxiqué de toutes les saletés qu'il a consommées dernièrement. Et le fait est que le médecin a besoin urgemment d'une autorisation de ta part. Parce qu'un camion lui a détruit la jambe. Et ils disent qu'ils doivent l'amputer. Non. Non, écoutez, dites-leur que jusqu'à ce que j'arrive en Colombie, ils ne peuvent rien faire, d'accord? Mais les médecins disent que si on ne l'ampute pas de cette jambe, il pourrait bien mourir, que c'est beaucoup trop dangereux. Je me porte responsable, Hortensia, il faut qu'ils m'attendent. Bon, très bien, je vais leur dire. Mais Marisol, je pense vraiment que ce n'est pas la peine que tu viennes jusqu'ici. Moi, je peux gérer tout ce dont ton frère a besoin. Tu sais bien que je peux le faire. Oui, je sais, mais il faut que je vienne, je suis trop angoissée, merci. Salut. Tu peux pas partir, Marisol, t'as des engagements ici. Ça, j'en ai rien à faire. Ça va, toi? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Écoute, tu penses peut-être que les États-Unis sont le meilleur endroit où l'on puisse vivre et peut-être que tu as raison. Et il est évident que je suis très heureux avec toi, Diana. Mais tu sais, je ne m'imagine pas m'enterrer ici, ni y vivre ma vie, ni encore mourir dans un système capitaliste. Mais moi non plus, mais...
Mais Marisol m'a offert une opportunité en or, celle de chanter ici avec elle, de faire une carrière professionnelle et je ne peux pas perdre une telle opportunité, non. Tu peux avoir les mêmes conditions en Colombie en chantant avec Nietzsche. Non, non, bien sûr que non. On peut pas comparer la Colombie avec les États-Unis. Je t'en prie, soutiens-moi. Là, tu m'en demandes trop, Diana. Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? La Colombie n'est peut-être pas le meilleur pays du monde, ça je peux bien te l'accorder. Mais c'est mon pays. Le pays dans lequel je suis né. C'est le pays dans lequel j'ai pu obtenir tout ce que je possède aujourd'hui. C'est là-bas que sont mes rêves. C'est là que j'ai ma cabane à musique, ma maison. Je t'ai toi aussi, ainsi que la maison que m'a laissée ma mère. Oui, mais bon, Saul, regarde. Ici aussi, on pourra s'acheter une nouvelle maison. On peut construire une nouvelle histoire et aussi de nouveaux rêves. Et pour ta cabane, eh ben... Quoi, ma cabane ? C'est pas comme si elle valait des millions, tu crois pas ? Peut-être qu'elle ne vaut rien. Mais c'est grâce à cette cabane que j'ai pu réaliser mes rêves. C'est grâce à cette cabane que j'ai pu te sauver. Et c'est grâce à cette cabane que j'ai toujours pu manger à ma faim. Oui, oui, ça je sais. Et je te suis reconnaissante de tout ça. Mais je sais que grâce à toi et à cette cabane, j'ai pu sortir de l'enfer où j'étais. Mais mon amour, regarde-moi. Ici, notre vie sera meilleure. Écoute, je n'ai pas dit non. Mais ça serait vraiment une grosse trahison envers Ivan. Tu te rends compte ? Abandonner l'orchestre et jouer avec Marisol et Tito Monroe. Ah ok, donc Ivan compte plus que moi, je comprends. Mais lui, quand il a une opportunité, il n'est pas du genre à se retenir. Et nous, on fait quoi ? On pourrait se retrouver sans rien, tu sais. Écoute-moi. Tu penses peut-être comme ça, mais moi, je suis différent. Oui, tu es différent. Tu as tout à fait raison. Toi, tu es différent. Toi, tu n'es pas pareil. Tu sais ce que t'es, toi ? Toi, tu es à l'âge et puis c'est tout. Tout ça parce que t'as peur. Tu veux me couper les ailes. Voilà ce que t'es, toi. T'es qu'un égoïste. Ah oui ? Bah, si c'est ça que tu penses, que je suis un lâche, eh ben tu vois, la porte est grande ouverte. Vas-y, il y a Marisol qui t'attend, vas-y, surtout ne t'en fais pas. Et puis, il n'y a pas de problème, moi, je rentrerai tout seul en Colombie. Ok, alors tu me chasses. Non. Bah, tu sais quoi, je me casse. Et puis comme ça, tu vas gérer tes petites affaires. Je me casse d'ici. Diana. Marie, tu vas où avec ta valise, qu'est-ce qui se passe ? Je vais à l'aéroport. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, ce qu'il y a, c'est que Amadeo s'est fait faucher par un camion. Il faut que j'aille là-bas. Je vais prendre le premier vol que je trouve et je fonce là-bas, tu vois. Oh non, c'est pas vrai, mais raconte, c'est grave. Comment va Amadeo ? J'en sais rien, mais je permettrai pas qu'il lui arrive quelque chose. Et tu vas faire quoi avec Tito et avec le groupe ? Ça, je m'en fous. C'est mon frère et ma famille passe avant tout. Il est la seule famille qui me reste, tu comprends ? Oui, et toi, tu pars malgré tout le mal qu'il t'a fait, c'est ça ? Ah oui, malgré tout ça. Salut. Salut.